Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue sur ce vol Poitiers-Groyers. Durée estimée du parcours 5 heures. Il est actuellement 18 heures. Donc, heure prévue à l'arrivée 23 heures. Météo prévue à l'arrivée, concours de burn. Bon visionnage. Je vais la tenir.
c'est une mobilette. Oh, tu le vends combien le jaune? On s'est acheté depuis quelle heure? Non Attention, attention, oui. Franchement, tu l'as pas mal. Ah ouais, c'est notamment bien.
cage, hein, mais là je monte pas là. Je viens d'un
Bon, ben là, on se retrouve dans mon garage, hein, parce que dans l'excitation du moment, j'ai décroché la cam du casque et donc avec mes gros doigts, j'ai dû passer en mode photo. Donc je pensais enregistrer en vidéo et en fait, c'est des photos que m'a pris l'appareil. Donc j'ai préféré faire comme ça et donc avant de passer au test de la XRF1 Assistance qui appartient à Paul. J'aimerais situer le contexte. Donc, je ne le connaissais pas et le hasard a voulu que le samedi soir, en allant au repas, je me retrouve à table avec lui et son pote Quentin. Donc, ils roulent ensemble en Endurance Mob. Et donc, de fil en aiguille, en discutant, bah, c'est là que je me suis rendu compte, Edin, que c'était le concepteur du Kitoxid 70 et puis de deux que c'était la personne qu'on appelle le druide. Donc un certain nombre d'entre vous peut-être le connaissent, donc moi j'en avais entendu parler mais je n'avais jamais fait sa connaissance et donc bah, durant la soirée de samedi ça s'est fait de façon on va dire improvisée. Alors pourquoi je prends un peu le temps de parler de lui, donc j'ai passé déjà une super soirée avec lui, avec son pote Quentin. C'était bien sympa, mais c'est pour revenir un petit peu sur la philosophie, l'esprit dans lequel il a développé le kit. Alors, j'ai mis en description la vidéo à Zinzin, il en parle déjà bien, mais c'est important de comprendre. Donc, il a voulu développer quelque chose qui marche bien, qui est plein à tous les niveaux, si je peux dire ça comme ça. Mais qui soit aussi destiné à des gens qui n'ont pas l'habitude de gratter les cylindres, qui ont plus l'habitude simplement de monter un moteur en empilant les pièces. Et donc il a voulu faire quelque chose pour ces gens-là. Alors moi j'en fais partie, hein. Gratter un cylindre, c'est pas du tout dans mes compétences. Mais à partir d'un kit acheté dans le commerce, du coup avoir une machine qui marche bien. Si je parle rapidement de moi, c'est ce que je lui disais aussi. Hein. Donc moi, vous voyez dans mes vidéos, hein, c'est plus du test de la bricole sur de la V7. Donc je suis pas non plus le gars qui monte du 70 tout fast ou autre chose. Ma problématique à moi, bah, c'est en balade hein, d'être fiable tout au long de la balade, de pouvoir finir les balades quand on part comme ça en convoi. Et puis aussi donc dans les montées avec mes presque 150 kilos, bah, d'être tranquille, de monter, de descendre, voilà. Et donc du trouver du plaisir en roulant comme ça. Et donc c'est en parlant un petit peu de ça qu'il m'a proposé bah, gentiment de tester sa machine. Et parce que mon ressenti l'intéressait aussi. Voilà, une machine montée avec son kit et moi dessus, qu'est-ce que j'en pensais? Du coup, la config, on est sur une transmission 11 par 64, donc certains peut-être diront ça fait beaucoup, mais là encore, le contexte est intéressant parce que Paul a développé son cylindre dans les Pyrénées. Alors, certains ont déjà pu entendre hein, qu'il a été développé en collaboration avec Didier Thomas, mais aussi avec d'autres personnes qui, eux, ont fait leurs armes dans le karting. Et donc, Pyrénées, grosse montée. Et donc, l'appareil, son objectif, c'était d'avoir un cylindre coupleux d'entrée de jeu, quoi, dès les bas régimes. Donc, voilà ce qui explique un petit peu ça aussi. Et donc, du coup, après, bah, Carbu 19, hein, même pas 21, Carbu 19, allumage Moriyama calé à la clavette, il me semble, un set de mémoire. Et puis Poulibidalo monté avec un variotop en prise directe. Et donc là, bah, lui, son plaisir, hein, c'est de rouler à la pédale lanceur. Donc à l'arrêt, il lève un peu le moteur pour patiner. Et ensuite, bah, au démarrage, tout ça, il utilise la pédale. Alors perso, ça me faisait un peu peur parce que bah, d'une, bah, c'est sa machine. Donc ça c'est un autre point pareil qui est intéressant de préciser. Hein. Donc Paul, sa machine d'aspect extérieur, il faut qu'elle reste comme sur le papier de la publicité d'époque. Hein. Ça veut dire que c'est pas son style du tout d'aller percer un trou, ne serait-ce qu'un trou dans le brossillon pour déplacer
une pédale lanceur ou pour rajouter une fixation de peau. Donc toutes ces pièces ont été développées dans cette optique-là. Je ne touche pas au carénage, au châssis, ça doit monter sans... Mis à part donc faire tomber le moteur et bricoler sur le moteur, ça doit monter sans autre modification. Et du coup, vous avez vu sur la vidéo, enfin, vous allez voir, pareil, donc il a ajouté la pompe à eau, mais il a gardé le radiateur d'origine. Donc, il préconise un radiateur gros volume. Hein. Donc, la pompe à eau, c'est obligatoire. Le radiateur gros volume, donc lui, la machine d'aspect extérieur, elle est comme dans les années 90 quand elle est sortie. Hein. Voilà. Donc ça, c'est sa philosophie. Il n'aime pas toucher à une machine d'origine. Il aime les garder comme elles étaient quand elles sont sorties, hormis donc la partie moteur et puis améliorer la partie cycle, hein, puisque forcément, si vous touchez au moteur, il a amélioré le freinage. Donc pareil, vous voyez sur, vous allez voir le disque qu'il a monté à la place de l'origine. Donc il y avait aussi sur la machine donc sa pipe. Donc sa pipe souple. Et je vous mets le lien dans la description. Donc c'est des pièces que vous pouvez déjà voir sur son site. Avec aussi donc, la ligne d'échappement qui a été développée sur mesure pour le 70cc. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Mais je pense aussi que c'était important que je le dise et que ce soit répété. Parce que voilà, la philosophie elle est là. Alors après c'est vrai que certains peut-être diront ouais mais du coup bah, il faut quand même des compétences pour avoir le moteur parce que le vilo bah, ça c'est un passage obligé, il doit être équilibré avec le poids du piston si on veut que en termes de vibration ce soit cool. Donc il faut quelques compétences là et puis il faut quelques compétences pour ajouter la pompe à eau et donc l'alimenter. Hein, voilà. Mais sinon, pour tout le reste, voilà, c'est monté, empilé, il n'y a rien à gratter. Et donc au final, ben, quand j'ai essayé la machine, hein, j'ai fait quelques allers-retours sans toucher à la pédale de lanceur, simplement en jouant avec l'accélérateur. C'était pas ma machine, j'avais bien compris qu'il y tenait beaucoup, que ben, c'était déjà très gentil de me la laisser essayer. Donc j'ai pas non plus voulu faire le fadage, j'y suis allé cool, et puis sur les deux derniers allers-retours, j'ai quand même essayé d'utiliser un petit peu la pédale lanceur, mais pas non plus donc, comme un fou. Parce que vous avez vu peut-être dans les images juste avant, quand lui il l'utilise, il part en 8 lignes. Voilà. Donc ça pareil, c'est pas moi, c'est pas quelque chose que je maîtrise. Donc, mais voilà, en ressenti, la puissance, le comportement de la machine, au final j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé ça super intéressant. Si j'ouvre, je vais pas me lever comme toi. C'est parce que toi tu tires un coup. Tu cherches le filet et tu verras après. Ouais, ça roule. Alors, la pompe elle est là. Ah, ça c'est la pompe et tu là, me vois ça touche. Là en fait t'as que la pompe à mettre. C'est bon là, je pousse, ça démarre. C'est bon. Ok. Ouais.
C'est sympathique. C'est sympathique. Voilà. Sans forcer, c'est tout de suite quoi. Enfin, c'est ça. Et puis c'est. Donc les 145 kilos, il en dit quoi le 70? Non, ben. Il pèse pas trop. Non, après dommage, le compteur il marche pas. Ah, mais... ah non, puis après là, ouais, j'ai. Pas de compteur, la ligne elle est pas assez. Je sais pas jusqu'où ça va quoi. T'as vu? Ouais, ouais. Non, franchement, top. Ouais, je vais investir dans ça un fait petit. Plaisir. Non, mais ça me fait plaisir de voir le sourire, tu vois. C'est ça qui. Ouais, ouais. Reste, non, franchement. Pas... Après, ouais. Comme t'es en prise directe. Ouais, j'ai quand même dû appuyer un peu. Parce j'ai vu. Voilà. J'ai vu. Tu vois. Parce que, ouais, bon, ça faisait un peu la chef, quoi. Donc, ouais, ouais, ouais. Mais... ça patine, en fait. Ouais, puis du coup, t'as juste à appuyer un tout petit peu. Non, franchement, top. Non, très peu. Ouais, parce que je suis léger, alors donc ça va. Et c'est puis. Pas, mais attends, ça fait rien, mais tout le temps démarre. Ouais, mais oui, mais. En fait, moi je préfère avoir ça, parce que justement, comme je roule en street avec, tu vois vraiment, je vais arriver au feu, oui. Je mets mon pied dessous, je fais cirer. Oui. J'ai pas d'embrayage, donc je fais cirer. Je repars, j'appuie. Ah, ouais, tu faisais comme faire, ça, toi, d'accord. Voilà, je fais une roue, je mets un coup de lanceur, elle monte. Après. Si elle retombe dans les tours. Ah, tu l'as pas, bon, carrément. Ah ben, il a ouais, après ce qui est sympathique c'est que même en prise directe tu prends ton virage tranquille c'est pas clac 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 quoi ouais. C'est ah ouais. C'est vraiment moi, c'est vraiment souple en quoi prise directe, donc, je suis pas t'as la dedans, souplesse et... il vibre pas trop le moteur il vibre pas du tout pour moi ah, enfin, par rapport à ce que ouais, ouais. Je connais en 70 là j'ai le vélo MBK ça vibre oui. Pas du tout ouais donc là t'as oublié ton sac? Allez, donc on va tirer le dernier lot. Donc c'est une bébé Peugeot de 2 vitesses à main de 1954. C'est une petite machine qui a été révisée par les copains à l'atelier avec notre ami Paul Cali, avec Gaël Mober 82, avec tous les copains qui sont présents sur les réunions. Donc on a une petite machine préparée aux oignons, mais dans son jus. Donc à vous de soit la repeindre, soit la faire rouler dans son jus. Donc roulement de tambour pour la bébé Peugeot. Allez, donc le numéro 210. Elle est là, le numéro 210. Et ben voilà, donc tu as gagné la bébé Peugeot avec sa carte grise prête à rouler. Donc monte sur scène avec nous. Elle va pouvoir nous expliquer d'où elle vient et si ça lui fait plaisir d'avoir cette jolie mobilette. Alors Eva, tu viens de quelle région? Je viens de Mazamé. Ah, elle est du coin en plus.